à tous. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on vous revient, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Facebook, avec le vent encore, des bourrasques, des rafales à pratiquement 120 km/h. Donc ça nous a détruit pas mal de choses et tout. Enfin voilà. Le moral n'y est pas du coup, mais bon, j'avais dit que je filmerais ce matin, comme vous avez pu le voir dans le titre, nos achats Vinted. Non, rien du tout. Nos achats Vinted, donc voilà, je le fais malgré que le moral ne soit pas au beau fixe, entre ça et mes douleurs qui reviennent de plus en plus fortes, tout va bien, mais bon, c'est pas grave. Il faut garder le sourire. Donc, qu'est-ce que Vinted? En fait, c'est... je pense que c'est un site, mais c'est avant tout. Enfin, moi, je fais surtout sur l'application. L'application Vinted. Donc, c'est une plateforme où des particuliers peuvent vendre des habits ou des objets en rapport surtout quand même avec les enfants. La périculture ou bien des DVD, des jouets ou des trucs comme ça. Donc c'est des particuliers, alors c'est soit d'occasion soit neuf, hein. C'est vrai que moi ça m'arrive de vendre des choses neuves parce qu'elle n'a pas pu les mettre, elle a grandi trop vite ou des choses comme ça. Donc voilà, donc le principe, déjà on s'inscrit, bon il nous demande un tas de choses, les paiements sont très très bien sécurisés. Par exemple, quand on achète quelque chose, l'argent ne va pas directement, il est prélevé, certes, de votre compte Vinted, mais il n'est pas directement délivré, mais gratte-toi, hein. Il n'est pas de suite délivré au vendeur, puisque en fait, il transite déjà par Vinted, il vous faut recevoir le colis, dire que tout est ok, et là par contre ça sera délivré, l'argent sera délivré au vendeur. Je trouve ça très bien parce que s'il y a un souci, au moins c'est pas comme quand on fait par PayPal ou des trucs comme ça sur Facebook. Là au moins c'est vraiment très bien sécurisé. Autre petite chose, quand on est vendeur, il n'y a aucun frais, c'est à dire que si vous mettez quelque chose à vendre à 10 € plus bien sûr les frais de port, vous recevez 10 €, il n'y a pas du tout de frais, c'est l'acheteur qui a, alors attendez que je vous dise, il me semble que c'est 5% de la somme qui est à rajouter en plus du prix, plus, je ne sais plus, il me semble que c'est 75 centimes, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il y a des petits frais, mais franchement, c'est rien d'insurmontable. Et après, les frais de port, alors ce qui est bien, c'est que ils travaillent donc avec Mondial Relais principalement. C'est vrai que moi, je fais plus avec ça qu'avec la poste. Et ils ont des prix. Donc du coup, par exemple, un colis qui normalement fait 4,55 € en Mondial Relais, là, vous l'avez à 2,88 €. Donc je trouve ça vraiment très, très bien. Donc voilà, donc ça c'est très très bien. Il vous envoie directement, vous n'avez qu'à télécharger l'étiquette et vous n'avez qu'à l'imprimer. Donc certes, il faut avoir une imprimante et des cartons, mais après, franchement, c'est nickel comme vente. Tu arrêtes Emma, s'il te plaît. Donc maintenant, nous allons passer aux achats. Alors, je mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, mon compte Vinted et je mettrai mon lien parrainage que si vous voulez vous inscrire, moi, ça me permet de gagner 5 € sur mon compte. Et au premier, à la première chose que vous arrivez à vendre, j'ai 10 €. Donc c'est vrai que c'est agréable, voilà, de pouvoir parrainer, puisque quand même ça nous fait des avantages. Un des avantages, c'est que mon mari a créé lui aussi un compte, puisqu'il avait des choses à vendre, mais il m'a dit je vais les vendre moi en particulier. C'était des jeux vidéo et trucs comme ça. Et donc, du coup, il a fait avec mon lien parrainage, donc j'ai eu droit à 5 €, et comme il a vendu quelque chose, j'ai eu droit à 10 €. Alors, le 5 €, alors il faut se méfier, parce que les bons ont une validité. Le 5 €, j'avais rien trouvé, je l'ai perdu. Par contre, là, donc, j'ai eu le bon de 10 € puisqu'il avait vendu quelque chose, et je me suis dit, j'avais repéré 2 parures de lit, qui étaient à 10 € chacune, qui étaient neuves.
Et du coup, la dame, bon, évidemment, on peut faire des offres. Donc, du coup, j'ai fait une offre à 15. Bon, la dame a refusé, ce que je peux comprendre. Hein. Après ça, on peut refuser. Hein. Enfin, elle a fait une contre-offre à 18 euros. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, je vous les prends, je les veux vraiment. Donc, voilà. Donc, du coup, au final, avec le bon, elles me sont revenues à 8 euros plus les frais de port qui étaient de 2,88 plus les frais de... Allez, bah, fait Vinted quoi. Elles me sont revenues à du 12 ou 13 euros. Je ne sais plus exactement. Je l'ai pas sous les yeux là. Donc, mais voilà, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai pris. Cendrillon. Voilà. La parure Cendrillon. Donc, elle est juste magnifique. Il y a quand même le prix. Cette dame, je pense qu'elle l'a acheté. Ça me fait penser un peu à Kiabi, cette étiquette. Et quand même, elle était à 30 euros de base. Et donc, au final, les deux, je les ai eus à 13 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est pour un lit simple, quoi. Un lit une personne. Donc, elle est réversible, comme beaucoup de bus de couette maintenant. Donc, vraiment super contente. Et puis, bon, vous voyez bien dans l'emballage et tout. Donc, quand vous recevez le colis, il faut assez rapidement aller le chercher, déjà, Eden. Parce que des fois, il y en a qui foutent trois plombes à aller le chercher. Alors, je peux comprendre qu'on ne peut pas y aller tous les jours. Mais moi, j'ai vendu quelque chose. La dame, elle est allée plus d'une semaine après. Et comme je dis, c'est pas méchant, mais ben, le vendeur, il attend les sous, quoi, pour pouvoir racheter par derrière. Enfin, voilà. Donc, il faut penser aussi quand même au vendeur qui bon, ben, attend ses sous. Donc, moi, j'essaie d'aller le chercher rapidement, soit moi, soit mon mari, mais dans les 1 ou 2 jours qui suivent. Et il ne faut pas hésiter donc à aller rapidement le regarder, voir si tout va bien et aller cliquer dessus comme quoi on l'a reçu et que tout est OK. Comme ça, là, l'argent est débloqué. Ensuite, et après, il y a une petite évaluation, évidemment. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, ce sont les princesses. Donc, ça y est, là. Oui. Ensuite, il y a qui? Ça y est, là. Oui. Ben. Ouais. Et si ça y est. Non. Réponse. Attends. Ta préférée quoi. Et donc celle-ci aussi, elle était à 30 euros. Non, c'est peut-être pas qui a dit, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin bon, bref. En tout cas, nickel. Là aussi, sous emballage, franchement, j'étais ravie. C'est pour ça que j'attendais parce que j'avais dit si elle baisse encore un peu. Mais bon, là, voilà, avec les 10 euros, franchement, 13 euros. Souvent, je les prends à action et je les ai au final à 9,95 €. Donc 10 euros une, là j'ai 13 euros les deux. Avec frais de port et tout. Donc au final, franchement, trop, trop, trop contente. Donc là aussi, pour un lit simple. Voilà. Donc j'étais ravie et je compte. Voilà. Je compte continuer comme ça mes achats. Donc vous aurez régulièrement. Vous aurez régulièrement. Celle-ci aussi, elle est réversible d'ailleurs. Vous aurez régulièrement donc des petites vidéos achats Vinted. Enfin, si ça peut vous plaire. Voilà, voilà, j'espère que que j'ai tout dit sur Vinted. Si, une seule chose, c'est que même si vous n'avez pas tout l'argent forcément sur le compte Vinted, c'est prélevé directement sur votre compte votre compte bancaire qui est relié à Vinted. Donc voilà, c'est un peu comme PayPal. PayPal, c'est pareil. Quand on n'a pas assez, ça va directement chercher sur votre compte. Donc faire attention de ne pas être à découvert, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Donc, allez voir en barre d'infos pour le lien Vinted de mon compte. Et le lien de parrainage, c'est vrai que ben, comme ça au moins, ça me permettrait d'avoir 5 ou 10 euros pour acheter des choses pour la pépette principalement. Et un matin. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Merci donc à tous nos abonnés. On est quasiment, là vraiment, on arrive au 1400, on n'en est vraiment pas loin. On est à 1395 ou 1396 là, à l'heure où je vous parle. Donc vraiment, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à venir nous parler sur Facebook, sur Insta, par email, par carte, même si ce n'est plus son anniversaire. Elle adore recevoir des cartes, donc voilà, ça lui ferait plaisir de recevoir une petite carte de vous. Et maman. Pour ceux bien sûr qui ne l'ont pas encore envoyée,
parce qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont envoyé. Comme je vous ai dit, je prendrai le temps de vous y répondre en ce moment. Ben, en plus, avec ce qui nous est arrivé, la cause du vent, je pense que ça va retarder encore un petit peu plus les choses, parce que beaucoup de choses à s'occuper. Du coup, mon papa qui n'a pas été super bien il y a quelques temps, et donc du coup on va faire des démarches pour qu'ils aient droit à beaucoup plus d'aide, parce que ma maman avec la sclérose en plaques, elle peut de moins en moins se mouvoir et de moins en moins, enfin voilà, et mon père est obligé de s'occuper de plus en plus et ça le fatigue énormément. Il a 75 ans, pour moi ce n'est plus un aidant naturel, mais pour la société et pour les organismes, ben si, alors que je trouve que c'est inadmissible. Enfin bon bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, je vous répondrai quand même à tous ceux qui ont envoyé une carte, bien évidemment. Voilà, ça va être un petit peu long, mais rassurez-vous, je n'oublie pas, tout est dans un coin, et quand je prendrai le temps, ça sera fait. Et voilà. Sur ce, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller voir ma page de création aux mille créations d'Emma, là aussi, je fais des petits prix, il y a de jolis petits porte-clés si vous voulez. Que je fais à 3,50€. Si vous en prenez plusieurs, bien sûr, je fais des petits prix, voilà. Sinon, eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir notre chaîne, à aller voir mon compte Tipeee. Et sinon, que dire de plus, qu'on vous fait d'énormes bisous et qu'on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye, bye, bye.